C'est parti pour une super quiche tomate feta. Pour la paella quiche, on va mélanger des œufs, du lait, du sel et du poivre. On va couper les tomates en tranches et bien sûr émietter la feta. Place une pâte brisée dans un moule à tarte. Garde le papier sulfurisé, ce sera plus facile à démouler. Pour le fond de tarte, on va mettre un peu de moutarde, de l'huile d'olive, du poivre, du sel, du romarin séché et de l'ail en poudre. Répartis bien le tout avec un pinceau sur toute la surface de la pâte. Ensuite, dispose tes morceaux de tomates en gardant les plus belles tranches pour mettre dessus. Recouvre de miettes de feta et verse la paella à quiche par-dessus. Et ça part au four pendant 30 à 40 minutes à 180 degrés. Et voilà, tu peux la déguster chaude ou froide, parfait pour un pique-nique. Bon app'.